Le 29 septembre 2021, la France entière est sous le choc. Le tueur en série qui fait trembler les Français depuis 35 ans, celui que tout le monde surnomme le Grêlé, a désormais pris les traits de François Vérove, un homme en apparence sans histoire. La fin du mystère dans l'affaire dite du Grêlé, le tueur en série inconnu depuis 35 ans, était bien un ancien gendarme. On se rend compte qu'on le trouve par hasard, qu'il se dénonce lui-même, et qu'on est passé à deux doigts de ne jamais savoir que c'était lui. On découvre qu'on a un monstre dans nos rangs. Et on tombe de très haut. Se dire qu'on a côtoyé quelqu'un qui a tué, qui a violé, qui potentiellement vous a serré la main quelques heures après avoir commis une atrocité, je peux vous garantir que ça m'a fait un choc. Le Grêlé sévit pour la première fois en 1986, en s'en prenant à une petite fille de 8 ans. Puis à Cécile, 11 ans, qu'il tuera après l'avoir violée. C'est le point de départ de son palmarès criminel, dont la violence et la perversité vont dérouter les enquêteurs les plus endurcis. C'est une mise en scène particulièrement remarquable. Très franchement, je vous avoue que j'en ai vu beaucoup depuis, mais celle-là m'est restée à l'esprit. La traque de ce serial killer va durer plus de 35 ans, jusqu'à ce dénouement surprise, fin septembre, dans un appartement abandonné où le Grêlé s'est donné la mort. Et s'il échappe à la justice, vous allez voir que cette affaire réserve encore bien des surprises. On a affaire à quelqu'un de pervers. C'est un fou criminel, pédophile. Lorsqu'on a ce type de pulsion, on ne peut pas se contrôler. C'est une maladie. L'affaire du Grêlé est une affaire hors norme. Elle est hors norme parce qu'on a, pendant des années, pas arrêté l'enquête. Elle est la démonstration que quand on ne lâche pas, on finit par trouver. Le 29 septembre 2021, la gendarmerie de Gros-du-Roi reçoit des appels téléphoniques. C'est une femme à l'autre bout du fil qui s'inquiète parce que son mari a disparu depuis quelques jours. Les gendarmes vont commencer leur enquête et ils vont géolocaliser le téléphone du disparu. Et le téléphone indique qu'il est dans un appartement au Gros-du-Roi. Ils vont se rendre tout de suite sur place. Et là, à l'intérieur, ils vont découvrir le corps sans vie d'un individu et tout laisse à penser qu'il s'est donné la mort. C'est assez banal, hein, ça arrive quand même fréquemment, malheureusement. Mais il va y avoir une découverte qui va changer complètement la donne et faire de cette affaire quelque chose d'extraordinaire. Les gendarmes vont découvrir une lettre à côté de cet homme qui s'est suicidé. Et le contenu de cette lettre va être une bombe dans les annales de l'histoire criminelle. Dans cette lettre, en fait, l'individu s'accuse d'avoir commis des crimes atroces, dans les années 80-90. Ils vont donc contacter les services de la brigade criminelle, lesquels vont confirmer qu'effectivement, cet homme-là était convoqué le jour même pour faire un prélèvement ADN dans l'affaire ayant trait à l'homme au visage grêlé. Cette affaire, c'est une affaire vieille de 35 ans, un cold case qui implique un tueur en série qui a terrorisé la France pendant des années et qui était une véritable énigme criminelle. Le Grêlé, c'est avant tout un portrait robot. Il n'y a pas un policier de la crime qui ne voit pas le Grêlé selon le portrait robot. Il n'y a pas un avocat qui a tourné sur ces dossiers-là qui n'ait pas ça en tête. Cet homme est-il le Grêlé recherché depuis des décennies par les enquêteurs? Est-ce que cette affaire va être résolue après 35 ans d'enquête? Cette affaire, elle a commencé en 1986.
avec le viol et le meurtre de la petite Cécile, qui avait 11 ans. Cécile est une élève de 6e qui vit dans une cité du 19e arrondissement de Paris avec son grand frère et ses parents. Cécile est une fillette de 11 ans, très bien insérée dans sa vie. C'est vraiment l'enfant de l'amour. Elle pratique le violent de manière assez assidue. Il semblerait que ce soit une artiste en devenir, et les parents sont très fiers. Elle est assez douée pour le violon. Donc, elle a des cours privés de violon très régulièrement dans la semaine. Les parents de Cécile, c'est Suzanne et Jean-Pierre, qui sont employés à la Sécurité sociale. Et puis, il y a un demi-frère aussi, Luc, qui, lui, est biologiste. Cécile était jolie, elle était douée, elle était aimée. L'avenir ouvrait ses bras. Et puis, malheureusement, ça a été brisé en plein vol. Fait divers dramatique à Paris. Hier après-midi, le corps d'une petite fille a été retrouvé et les policiers disposent de très peu d'indices. Ce lundi 5 mai est un lundi ordinaire qui débute chez la famille de Cécile. Vers 8 heures, donc, les parents Jean-Pierre et Suzanne partent travailler. Ensuite, à 8h20, son frère Luc va travailler à son tour. À 8h45, Cécile a fini son petit déjeuner, elle range ses affaires et elle va à l'école toute seule, parce que c'est une fille autonome. Et l'école n'est pas loin, elle est à 1 km du domicile. En tout cas, voilà, elle claque la porte et elle s'en va à l'école. Tous les midis, la fillette a pour habitude de rentrer chez elle pour le déjeuner. Sa maman, comme elle le fait habituellement, essaie de savoir si elle est bien rentrée à la maison pour déjeuner, s'aperçoit qu'elle ne répond pas. Elle s'inquiète un peu, elle vient sur place. Il n'y a personne dans l'appartement. Et elle appelle l'école, l'école dit non, nous on ne l'a pas vu ce matin non plus. Bon, là il y a un certain affolement, évidemment. Cécile n'est donc jamais arrivée à l'école. Elle n'est pas non plus à son domicile. Pour les parents, il n'y a qu'une chose qui compte, comprendre ce qui a bien pu se passer. Le père va revenir, donc, rue Petit, et avec l'aide... du gardien, ils vont se mettre à chercher, savoir si c'est pas passé quelque chose, un malaise, n'importe quoi. Les parents se disent que Cécile doit être quelque part entre le domicile et l'école, donc ils vont refaire le chemin qu'elle fait tous les matins et demander aux commerçants si elle a été aperçue à un moment de la journée. Personne n'a vu Cécile ce matin dans la rue aller à l'école. L'angoisse monte pour Suzanne et Jean-Pierre, ils n'ont pas de nouvelles de Cécile, aucune trace, ils ne savent pas ce qui s'est passé et pourquoi leur petite fille n'est pas là. Le gardien de l'immeuble, alerté par les parents, fait également des recherches de son côté. Lui aussi, il va chercher la petite fille et il va commencer par tous les étages de l'immeuble. C'est un immeuble de 10 étages, donc il le fait d'une manière rationnelle et méthodique. Et puis ensuite, il va décider d'aller voir dans les sous-sols. Il connaît tout et il descend au 3e sous-sol. Il faut savoir que l'ascenseur s'arrête au 2nd. Et il remarque d'ailleurs que la porte toujours fermée entre le 2e et le 3e sous-sol, donnant accès à un escalier pour y accéder, est bloquée par un paquet de cigarettes. Il explore ce sous-sol et il va dans le petit local qu'il connaît. Il n'est pas éclairé, ce local. Il sert simplement à mettre des résidus. Et là, il aperçoit le parti d'un corps qui dépasse dessous un vieux morceau de moquette. Ce corps, c'est bien celui de la petite fille.
Pour les parents, c'est épouvantable. Leur petite fille était encore vivante le matin et ils découvrent dans l'après-midi qu'elle n'est plus de ce monde et qu'elle a été tuée dans ce sous-sol. Ils ne savent pas pourquoi et ils sont sous le coup de la terrible nouvelle. Les policiers du commissariat du quartier sont dépêchés sur les lieux. Mais face à l'ampleur de l'affaire, l'état-major fait appel à la brigade criminelle du célèbre 36 quai des Orfèvres. Le 7 avril 86, nous avons eu un coup de fil de l'état-major pour nous dire que le parquet de Paris avait décidé de saisir la brigade criminelle d'une enquête à la suite de la découverte du corps d'une jeune enfant dans les sous-sols d'un parking. C'est une affaire qui, moi, m'a particulièrement touché dans la mesure où, quand on arrive sur les lieux de découverte du corps de Cécile, il s'agit ni plus ni moins que de la résidence où je demeure. Avec ma compagne et mon fils, a l'âge de Cécile, il a 11 ans. Donc ça choque déjà de se retrouver sur son lieu de résidence pour traiter d'un assassinat. Le souvenir que j'ai d'elle, c'est en ouvrant la porte. Et elle est couchée sur la droite, sur une moquette bouclée pourrie, qui la recouvre en partie. C'est l'image qu'il m'est restée de cette scène. Lorsque on nous présente la scène de crime, qui a été protégée, bien sûr, de toute intervention qui pourrait gêner les investigations, ben, elle a le corps dénudé dans la partie basse et elle a une plaie au thorax. Elle a été poignardée et étranglée. Selon les premières constatations, il y a deux traces de strangulation. On constate aussi des traces de griffures et de bleus sur le corps. Donc elle a dû se défendre, ou en tout cas elle a reçu des coups. Voilà, elle n'est pas morte tout de suite, il y a eu une scène de lutte. Donc les enquêteurs pensent que Cécile a été violée puis ensuite tuée. Pour les enquêteurs, il est primordial de trouver le moindre indice qui pourrait les amener vers l'identité de l'auteur de ce terrible crime. On n'a pas retrouvé d'armes quelconques, soit des armes de poing ou d'armes blanches. On a mis sous scellé un certain nombre d'objets. En fait, on trouve assez peu de choses. Il y avait une ou deux cordelettes. D'ailleurs, nous sommes très déçus. Il n'y a même pas d'empreinte digitale. Aucune empreinte digitale. Il va y avoir le morceau de moquette sur lequel elle a été agressée. On a le cartable de Cécile. On comprend que l'endroit avait été préparé par l'individu et qu'il a amené sa proie à cet endroit-là, qu'il en a abusé, qu'il l'a tué et qu'il en est parti. Donc vraiment, c'est les vêtements, parce qu'à l'époque, on ne parle pas d'ADN. C'est de la science-fiction pour nous. On recherche des traces de sperme, de sang, qui nous permettent d'identifier le groupe sanguin intéressé. Il y a un élément très important qui est retrouvé sur cette scène de crime, c'est du sperme. Et ce sperme va être analysé et on va pouvoir dire que le criminel, donc l'assassin, était du groupe sanguin A+. Rapidement, la brigade criminelle va interroger la famille pour établir avec certitude l'emploi du temps de la jeune victime. Mais aussi découvrir si des faits inhabituels ont été remarqués ce jour-là. Et c'est le frère aîné de Cécile qui va fournir des éléments clés. Lorsque Luc part vers 8h20, en laissant la petite dans l'appartement, il croise un individu dans l'ascenseur. Et il lui paraît trop poli, un peu obséquieux. Il ne le connaît pas du tout, il ne fait pas partie du voisinage. Luc observe que le bouton -2 est déjà enfoncé, donc que l'homme se dirigeait au deuxième sous-sol, descendait au deuxième sous-sol, et que cet homme est un peu particulier. Il est blond châtain, visage plutôt grêlé, donc des traces d'acné ou de variole, 1m80,
il est peu apprêté, quoi, disons, habillé en sportswear, mais plutôt négligé, avec des chaussures poussiéreuses, sur le tennis, etc. Le comportement de l'homme de l'ascenseur est étrange parce qu'il dit « J'espère que vous passerez une bonne journée ». C'est des propos qui font froid dans le dos quand on sait ce qui s'est passé. Luc a été très affecté par le fait qu'il s'est rendu compte qu'il avait croisé certainement l'agresseur de sa petite sœur, quoi. Donc le choc émotionnel était très fort. Mais Luc n'est pas le seul à avoir croisé cet individu suspect. Les parents de Cécile ont aussi aperçu cet homme avec la même obséquiosité et se sont posé à peu près les mêmes questions 20 minutes avant que Luc l'ait vu. Les parents de Cécile se souviennent d'avoir croisé l'homme lorsqu'ils sont descendus. Mais disons qu'ils y ont moins prêté attention que Luc. Cet homme devient suspect immédiatement. Pourquoi il traînait dans cet ascenseur? Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il était en observation? Est-ce qu'il était en reconnaissance? Est-ce qu'il préparait quelque chose? En tout cas, ça en fait un suspect. Le demi-frère de Cécile, il en a fait un portrait robot assez ressemblant où il le montrait avec le visage grêlé. Est-ce que c'était un moment où il avait une crise d'acné? Est-ce que c'était d'ordre psychologique? Est-ce qu'il avait eu un accident qui faisait qu'il avait une peau irrégulière à ce moment-là? C'est le nom qui va rester, ça va être l'affaire du grêlé. Les policiers vont organiser une immense enquête de voisinage. Il y a plus de 800 locataires, 800 habitants dans cette grande résidence. Et ils vont sonner aux portes avec la photo de Cécile et puis le portrait robot donc, de la personne qu'on appelle le grêlé. Avec tous ces témoignages, on arrive quand même à dresser une chronologie. Cet homme dans l'ascenseur a été aperçu par plusieurs personnes habitant de l'immeuble de 7h55 à 8h45 à peu près. C'est dans cette zone horaire-là que donc, des habitants de l'immeuble ont pris l'ascenseur. Le témoin, effectivement, qui nous donne un peu la fin de l'acte criminel, c'est cette dame qui le voit sortir en courant du hall. Il est 9h15, ce qui implique qu'il a passé quand même un certain temps avec la petite dans le sous-sol. On a l'impression dans l'affaire de Cécile que c'est un auteur qui a prémédité son crime, que ce n'est pas un auteur qui, tout d'un coup, dans un débordement de violence, s'en serait pris à Cécile. On se dit qu'il a suivi Cécile, qu'il sait qu'elle est là, qu'il a identifié sa proie, puisqu'on le croise plusieurs fois dans l'ascenseur. Les enquêteurs vont découvrir que dans cet immeuble, il y avait deux ascenseurs et que l'un des ascenseurs avait été bloqué par le grelet et qu'un seul ascenseur fonctionnait. Donc c'est une façon pour le grelet de contrôler les va-et-vient des habitants et les passages pour mieux agir par la suite. Et d'autres éléments vont confirmer la thèse de la préméditation. Le digicode de l'entrée de l'immeuble était neutralisé, ce lundi-là. L'éclairage du couloir de la famille ne fonctionnait plus, alors qu'il avait fonctionné encore avant le week-end. La porte de l'escalier desservant le troisième sous-sol était bloquée par un paquet de cigarettes. Bref, on en a déduit que l'individu était venu faire des repérages et avait déterminé que, à l'heure du départ des enfants à l'école, peut-être avait-il déjà repéré Cécile, là, il pouvait trouver sa proie. Quelques jours plus tard, l'autopsie de Cécile laisse peu de place au doute. L'autopsie, c'est la confirmation. On part sur effectivement une fillette agressée sexuellement, étranglée et poignardée. Elle s'est battue, elle s'est pas laissée faire. Mais bon, une fillette de 11 ans qui doit faire 25 kilos, 30 kilos, quand un type de 1m80 et 80 kilos, elle a pas de chance. Elle a aucune chance. On est, nous, ensuite, en train de regarder quels sont les autres faits dont furent victimes des fillettes
Et qui soit sont mortes, soit sont encore vivantes. Il faut comprendre dans cette histoire qu'on est en 1986, qu'il n'y a pas d'empreinte génétique, qu'il n'y a pas de fichier informatique, qu'il n'y a pas la téléphonie, enfin il manque plein de choses. Pour faire des rapprochements avec d'autres affaires semblables, il y a un service d'archives et traitement d'informations. Bien évidemment, il n'est pas informatisé. Alors ce sont des fiches perforées dans lesquelles vous rentrez tous les éléments, tous les détails possibles. Et c'est comme ça qu'on va tomber très vite sur l'affaire de Sarah. C'est une affaire qui s'est produite un mois plus tôt, place de Vénétie dans le 13e arrondissement. Sarah est une petite fille de 8 ans qui mène une existence paisible. Ce lundi matin, le 7 avril, elle part à l'école. Mais son destin va basculer. Cette histoire est très semblable à celle de Cécile parce que la petite Sarah va à l'école. Il est 8h15, les horaires se ressemblent également. Et c'est dans l'ascenseur qu'elle se fait neutraliser par cet homme. Il la convainc de le suivre et il la descend encore dans un sous-sol, alors quatrième sous-sol. Et là, il la viole, il l'étrangle et il la laisse pour morte. Heureusement, elle a perdu connaissance et elle n'est pas morte. Elle va revoir remonter et prévenir sa maman de ce qui lui est arrivé. Les similitudes qui ont été établies entre les deux affaires, c'est le contact dans un ascenseur d'un immeuble familial, la conduite dans un sous-sol, ce qui veut dire aussi reconnaissance préalable, parce qu'il faut savoir dans quel endroit on va conduire la victime. Cette strangulation, semblable à celle de Cécile. C'est un prédateur, il repère ses victimes. Il réussit à pénétrer dans les immeubles, il les suit, il les attend jusqu'à ce que l'occasion se présente. C'est alors qu'il frappe, il les emmène dans les sous-sols. Et bien évidemment, c'est son obsession, c'est le sexe, c'est de les violer. C'est la pureté que peut représenter une petite fille, c'est ça qui l'intéresse, c'est un véritable pervers. Les circonstances et le mode opératoire étant à peu près les mêmes, l'affaire est confiée à la brigade criminelle. Le portrait robot établi chez Cécile est présenté à la petite Sarah et elle reconnaît l'agresseur. Et donc là, on va établir que le groupe 115 A positif est le même sur le meurtre de Cécile que sur le viol de la petite Sarah. Les enquêteurs, maintenant, sont persuadés qu'il y a un même homme qui s'en est pris à deux petites filles, qu'on a tué l'une d'elles. La police judiciaire, quand elle est aussi face à des situations comme celle-ci, elle utilise les moyens de police technique qui sont à l'époque encore assez rudimentaires. Elle travaille sur les rapprochements, sur les modes opératoires, sur des signalements. Et ensuite, elle va travailler sur les antécédents, c'est-à-dire des délinquants qui ont un profil qui pourrait être celui de l'agresseur, du prédateur qu'on recherche. Un jour, on a une piste. Et là, on pense tenir l'individu. C'est un individu qui a été interpellé après la mort de Cécile, qui s'intéressait à des enfants dans un parc, etc., qui va commettre des attouchements et qui se retrouve à la maison d'arrêt. Et donc, on arrive dans cette cellule pour l'extraire, la cellule est tapissée de photos d'enfants. On ramène cet individu donc au Quai des Orfèvres, où on commence à l'interroger, et là, il va nous raconter que finalement, il connaît bien le 19e. Donc on a quelqu'un qui connaît le quartier, qui y va fréquemment, qui connaît même l'accès au parking, parce que de temps en temps, il va y dormir. On dit, on a touché le gros lot. Donc les enquêteurs pensent que c'est peut-être lui, le grêlé, que cet homme qui est devant eux va passer aux aveux. Sauf qu'il y a une analyse de sang qui est faite et il n'est pas du groupe sanguin A+, donc ça ne peut pas être l'assassin de la petite Cécile.
Donc il y a un pédophile dangereux dans la nature qui a violé et qui a tué, et il faut absolument le neutraliser. Cette affaire devient prioritaire pour la brigade criminelle de Paris, et donc il y a toute une équipe qui va s'organiser pour trouver quelque chose pour neutraliser cet homme dangereux. Le 27 octobre 1987, soit plus d'un an après le meurtre de Cécile et l'agression sexuelle de Sarah, l'ombre du grêlé plane sur une troisième affaire, celle de Marianne, une jeune collégienne de 14 ans. Ça se passe dans le 14e arrondissement de Paris. Marianne vit avec sa mère, elle est issue d'une famille franco-brésilienne et tout se passe bien pour elle ce jour-là. Marianne mange chez elle pour le déjeuner. Elle est abordée à l'entrée de son immeuble par un individu qui va la suivre et dans l'ascenseur va lui présenter une arme et une carte barrée tricolore, mais de manière très très brève. Alors cette fois-ci, c'est un peu plus élaboré. Il se présente comme policier et il prétend vérifier son passeport, savoir s'il est vrai ou faux. Et il arrive à la convaincre d'aller jusqu'à l'appartement. Une fois arrivé à l'appartement, là il change un peu de ton. Et il se prétend, cette fois-ci, cambrioleur. Donc, il arrive à l'attacher à un radiateur. Il la déshabille. Il va la bâillonner en mettant une chaussette dans sa bouche pour l'empêcher de crier. Il va l'attacher avec un foulard. Et puis, la viole. Par la suite, avant de partir, il la menace et avec un coupe-papier, un objet tranchant. Il vole un appareil photo et il disparaît. Et là, donc cette adolescente va réussir à se défaire des liens et à appeler sa maman. Lorsque ce viol de Marianne a lieu, la brigade criminelle n'est pas saisie en premier titre. C'est la brigade de protection des mineurs. Et à la brigade des mineurs, lorsqu'ils vont voir le mode opératoire de cette personne, ils vont faire le rapprochement assez rapide avec ce qu'on est en train de rechercher. Il y a le même mode opératoire, la même neutralisation de la victime dans l'ascenseur. Et puis il y a aussi le fait d'attacher la fille. Mais il y a quelque chose de nouveau, c'est la carte de police. À partir de la description donnée par Marianne, les enquêteurs réalisent un nouveau portrait robot. Il est un peu différent du premier. On a la même forme de visage à peu près. Bon, les imperfections de la peau, c'est vrai, la mèche, mais des yeux un peu plus sombres, des cernes autour des yeux. Après vérification, le groupe sanguin du violeur de Marianne est A positif. Comme celui du suspect dans les affaires de Cécile et Sarah. Pour les enquêteurs, ces trois crimes sont très certainement liés. Il y a trois petites filles agressées, un pédophile, un pédocriminel, comme on dit maintenant, qui court dans la nature et qui doit faire les sorties des écoles, qui doit faire des repérages, qui doit repérer ses proies, donc des filles en bas âge, et c'est la psychose. Au départ, lorsqu'on veut faire le profil du type, on est quand même très influencé par l'avis de Luc, le frère de Cécile, qui nous décrit donc un jeune de 24-25 ans dans la force de l'âge, mais à l'allure franchement négligée. Ensuite, il montre une carte de police, il utilise la ruse, il y a tout un stratagème. Mais Paris, vous avez tous les jours des agressions de faux policiers. Donc on n'est pas du tout certain qu'il s'agisse d'un vrai policier, d'autant plus que la carte a été présentée très, très rapidement.
On ne peut pas savoir s'il y a police, gendarmerie, police municipale, etc. Elle voit quelque chose de tricolore. Voilà. Et elle obéit aux injonctions de quelqu'un qui se présente comme étant policier. C'est très facile de se fabriquer une carte de police, d'avoir une arme factice, de se procurer des menottes. Les enquêteurs creusent cette piste du faux policier, sans résultat probant. Toutes les recherches ayant été vaines, bon, l'instruction s'arrête. Voilà. Mais l'affaire reste quand même en main de la brigade criminelle en attendant des éléments nouveaux pour pouvoir la reprendre. Les policiers sont dans l'impasse et il faut attendre 7 ans pour que l'enquête connaisse un rebondissement. Nous sommes à Mitry-Mory, dans une petite ville moyenne de Seine-et-Marne. Une fillette, Audrey, qui a 11 ans. Elle vit avec ses parents, vit bien tranquille. Ce jour-là, il fait beau, donc elle décide de désobéir, d'aller jouer un peu plus loin que devant la maison de ses parents. Et elle va faire la rencontre d'un individu qui va au départ la sermonner en disant « Je suis policier, etc. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas le droit, etc. » Un homme qui va lui demander ses papiers, lui dire que c'est pas normal qu'elle les ait pas. Et puis il la fait monter à l'arrière de la voiture en lui disant qu'il va l'emmener au commissariat. Et elle, lorsqu'elle voit défiler la route, on voit bien qu'on ne va pas au commissariat. Et puis, il va l'emmener sur des kilomètres et des kilomètres. Il va traverser la Seine-et-Marne, il va se rendre dans l'Essonne. Il va arriver jusqu'à Saclay. Dans une ferme totalement abandonnée. La petite fille va donc être attachée à un radiateur. Elle va y voir un matelas particulièrement sale. D'ailleurs, ce type est aussi sale et sent mauvais. Et là, très curieusement, il va lui montrer une bande dessinée particulièrement érotique. Et dans cette bande dessinée érotique, il va pointer du doigt un homme qui se fait faire visiblement une fellation. Il lui demande si elle sait ce que c'est. Et elle va lui répondre qu'avec son jeune âge, non, elle ne sait pas. Il va lui demander alors de lui pratiquer cette fellation. Il va ensuite l'embrasser. Et la suite va être terrible puisque la petite fille de 11 ans va être purement et simplement violée. Elle, pour seule défense, elle avait la parole. Elle va lui parler, elle va lui poser des questions sur lui, sur sa vie. Elle lui demande même s'il est marié et pourquoi il ne fait pas ça avec sa femme plutôt qu'avec elle. Et il va lui confirmer, enfin il va lui dire qu'effectivement, il est marié. Mais il a du mal à se faire à cette conversation. Elle va surtout le supplier de la laisser partir. Elle va le supplier de lui détacher ses mains. Elle va lui promettre qu'elle n'en parlera à personne. Et là, très curieusement, le violeur va sourire, va la détacher et lui dire qu'il va revenir. En fait, il ne reviendra jamais. Elle va évidemment en profiter pour se sauver. Et c'est comme ça que cette petite pourra être sauvée, non pas du viol, hélas, mais sauvée au moins physiquement. Des griffes de ce violeur. Secourue par un moniteur d'auto-école, Audrey est conduite à la gendarmerie de Saclay, à 500 mètres de là. Traumatisée, la jeune fille raconte son calvaire devant les enquêteurs. Audrey est très précise dans ce qu'elle décrit, à la fois sur le lieu où elle a été séquestrée, sur ce qui s'est réellement passé avec le violeur et sur le physique même de ce violeur. Elle va pouvoir donner un tas de renseignements. Audrey expliquera également quel type de voiture l'a embarquée dans cette ferme abandonnée. Grâce au témoignage d'Audrey, les gendarmes retrouvent le lieu du crime.
Alertée dans la foulée, la brigade criminelle est dépêchée sur place. Sur les lieux, on va retrouver le drap sur lequel le viol a eu lieu, un Kleenex, du sperme, la bande dessinée, et puis un petit vêtement rose de fillette, quoi. Et là aussi, curieusement, le violeur va y laisser un tas d'indices, notamment des mégots, des empreintes, évidemment. Et là, grâce à ces mégots, grâce aux empreintes, grâce au sperme également, eh bien là, on a enfin un profil génétique. On a enfin, en 1994, la possibilité de trouver l'ADN. Celui du violeur de la petite Audrey. Et l'enquête va connaître de nouveaux rebondissements. Dans l'espoir d'identifier l'agresseur d'Audrey, les enquêteurs enregistrent son ADN dans le fichier national des empreintes génétiques. L'ADN va matcher avec trois autres affaires, donc celle de Cécile, de Marianne et de Sarah. C'est là que ça va relancer encore l'intérêt autour de l'affaire. C'est là qu'on va se rendre compte de toute l'importance de ce tueur et qu'il fallait absolument identifier, absolument arrêter. Désormais, les enquêteurs en ont la certitude. C'est bien le même homme qui a agressé Audrey, mais aussi Sarah, et qui a tué Cécile. Et après d'autres vérifications, son profil va devenir encore plus inquiétant. Ce qui va être dans cette affaire tout à fait étonnant, c'est que cet ADN qui a parlé pour l'affaire des jeunes filles va parler aussi pour un double meurtre dont jamais nous n'aurions pu penser qu'il était le fait du même auteur. C'est un double meurtre, donc qui a lieu en 87, en avril, d'une jeune fille au père et de son employeur, rue de Sainte-Croix de la Bretonnerie, et un double meurtre d'une violence et d'une mise en scène particulièrement remarquable. Très franchement, je vous avoue que j'en ai vu beaucoup depuis, mais celle-là m'est restée à l'esprit. L'état-major de la police judiciaire nous donne toutes les informations et on va sur place. On est arrivé comme d'habitude avec le quart de police secours qui attendait en bas. C'est un quartier calme, central dans Paris. C'est très couru comme quartier. Les gens qui y habitent sont des gens qui ont les moyens aussi d'habiter dans ces coins-là. Alors lorsqu'on arrive sur une scène de crime comme celle-là, il y a du monde. Hein. Des gyrophares dans la rue, police secours, le SAMU éventuellement s'il y avait quelqu'un à sauver, la brigade de police judiciaire du coin, le commissaire de quartier, et on arrive, nous, avec l'identité judiciaire. Ça fait beaucoup de monde, et c'est une cavalcade dans cet escalier très étroit, jusqu'au pratiquement dernier étage, quoi. Et là, avec l'identité judiciaire, on procède aux constatations sur le corps et tout l'environnement de la pièce, quoi. On se retrouve dans un appartement qui est... c'est pas un très grand appartement. On arrive dans une pièce qui est une bibliothèque transformée en chambre. C'est la chambre du couple, des parents. Donc là, c'est le corps de Gilles qui a été retrouvé ici, donc dans la chambre à coucher. Un homme de corpulence moyenne, mais dans une position qui déjà nous étonne et qui est une première pour la plupart des enquêteurs qui sont avec moi. Ce qui saute aux yeux, si vous voulez, c'est qu'il y a tout un dispositif pour le ligoter.
On peut schématiser comme ça, il est pris donc attaché les mains et les pieds ensemble dans le dos et un lien qui lui en serre le cou, le tout relié à un tisonnier trouvé sur place, tisonnier de cheminée, qui en resserrant donc resserre l'ensemble des liens. En fait, le père de famille est ligoté d'une façon très particulière, c'est ce qu'on appelle le garrot espagnol. Et là, la souffrance doit être terrible parce que, imaginez le resserrement des membres comme ça sur le dos, dont ce n'est pas du tout la position naturelle, plus la tête qui se relève et le bâillon qui rentre de plus en plus profond dans la bouche, c'est très cruel. Hein. Il faut avoir une certaine connaissance de ce genre de technique. Donc on a pensé que ça pouvait être quelqu'un qui avait été dans les commandos ou qui avait fait des entraînements de police ou de sécurité ou quelque chose comme celle-là. Il savait pertinemment comment s'y prendre pour immobiliser les personnes. Et le corps sera également calciné par des mégots de cigarettes qui montrent que visiblement, Gilles, donc le père de famille, s'est vu mourir dans d'atroces douleurs. Et très vite, on va dans la deuxième pièce, puisqu'on sait qu'on a deux cadavres. Et là, c'est encore plus impressionnant, parce que c'est une belle jeune fille de 20 ans. Elle a les bras écartés, elle est en croix. On pourrait dire crucifiée, hein, le long des montants supérieurs de ce lit superposé. Elle a reçu quelques coups de couteau à la gorge également, et elle est étranglée par un lien. Elle a la tête ballante, elle est nue, elle a quand même une culotte. La scène de crime va permettre de découvrir quelques indices. On va retrouver notamment un tampon hygiénique de visiblement la jeune femme, où il y a du sang. Et peut-être du sperme, donc on va le recueillir. Il y aura les mégots également, des mégots qui ont servi à brûler le corps, notamment de Gilles. Et à côté du corps d'Imgar, on va retrouver le couteau qui a servi à trancher la gorge d'Imgar. Mais à cette époque, nous sommes en 1987, on ne peut pas faire ce qu'on appelle des empreintes génétiques, puisque les ADN ne sont pas encore en vigueur à ce moment-là. Alors, dans cette affaire, on cherche, bien sûr, dans la personnalité des victimes, comme toujours, et dans les familles et dans les proches, des raisons qui aient pu provoquer ce type de scène. Lui, Gilles, c'est un technicien au sol, sur Roissy, qui rentre tous les matins à 7h30, il travaille de nuit. Il est bien vu de ses collègues. C'est un homme qui fait du syndicalisme, qui a des copains, qui fait de la voile, quelqu'un qui a voyagé parce qu'il a travaillé avec son métier, il a travaillé sur des escales dans le monde entier. Donc voilà, c'est un type apparemment tranquille, calme, qui a les gens ont une bonne opinion de lui. Il est marié avec donc cette épouse qui elle est dans l'éducation nationale. Ils ont une petite fille. Et c'est la raison pour laquelle ils prennent une babysitter compte tenu de leurs conditions de travail à tous les deux. Et donc, fin 86, ils tombent sur cette jeune Imgard. Elle a 20 ans, elle est fille au père, elle vient de Bavière, en Allemagne. Elle a souhaité visiblement voyager et profitant de son jeune âge. Et le meilleur moyen de voyager à moindre coût, c'est effectivement de pouvoir travailler comme fille au père. Elle occupe une petite chambre rue de Sévigné qui lui est fournie par ses employeurs. D'emblée, les enquêteurs auditionnent l'épouse de Gilles. Elle va alors expliquer avoir été appelée par l'école de sa fille car Irmgard n'était pas venue la récupérer ce mercredi 29 avril. Affolée, la mère de famille va rentrer de toute urgence chez elle. Cette épouse déjà s'étonne de trouver sa porte entrouverte. Elle rentre un peu plus dans l'appartement. Et là, elle voit son mari dans une position incroyable, inerte, attachée, elle panique, elle court
jusqu'à la chambre de sa petite-fille, pensant la trouver. Et là, elle découvre la babysitter pratiquement crucifiée sur le lit à étage de la petite. Donc là, c'est la panique totale. Elle prévient les voisins. Elle s'inquiète déjà beaucoup de savoir où est sa petite-fille. Elle apprend très vite que personne n'est venu la chercher à l'école, comme aurait dû faire la babysitter. Elle a été prise par des voisins et elle attend chez les voisins. Bon, elle prévient la police, bien évidemment. Le commissariat intervient. Lors de son audition, l'épouse de Gilles va faire d'autres révélations. Très curieusement, elle va présenter une thèse très inattendue, selon laquelle Gilles aurait eu maille à partir avec son emploi Air France et qu'il aurait fait l'objet d'une vengeance. Ça viendrait même du gouvernement. C'est une sorte de théorie de complot qui aurait été menée contre son mari et qui serait à l'origine de ce crime. Après investigation, cette piste est vite balayée par les enquêteurs, qui s'attellent à retrouver au plus vite des témoins oculaires. L'enquête des voisinages démarre et elle se fait en colimaçon. Les voisins les plus proches, les voisins de l'escalier, les voisins de l'immeuble, les commerçants, etc. Et tout le monde est vu dans la soirée. La gardienne va être interrogée. Et alors elle va révéler qu'un homme s'est présenté le matin très tôt dans l'immeuble. Un type qui n'a pas l'air très sain, jeune homme, on va dire, puisqu'il lui donne 25 ans, 25-30 ans, vêtu d'un pullover rouge, qui ouvre la porte palière avec les clés et qui rentre chez Yamgar. Et alors elle se rappelle que ce même homme, elle l'avait vu en compagnie justement de la jeune fille la veille dans un square près de l'appartement. Et visiblement, ils se disputaient assez violemment, mais elle avait vu également qu'elle lui avait remis les clés et donc qu'il y avait une relation, semble-t-il, réelle entre ces deux personnes. En parallèle de ces auditions, les enquêteurs perquisitionnent la chambre de Bonne, d'Irmgard. Et on va y découvrir quelque chose de fort intéressant qui va être très précieux pour les enquêteurs, qui va être un carnet rouge. Et on va y voir qu'en réalité, cette jeune femme consigne tout par écrit, et notamment toutes ses conquêtes. Elle rencontre de nombreux hommes. On va y voir aussi que ces hommes ne sont pas jeunes, puisqu'elle consigne leur nom, leur âge, leur adresse, leur profil, leur performance sexuelle. Celui-ci est bien, celui-ci est moyen. Et donc, on y trouve quasiment 30 profils, 30 hommes. 29 d'entre eux vont être identifiés, convoqués, examinés de fond en comble et vont produire des alibis. Il y en a un qui va nous intéresser particulièrement parce qu'il est amateur de bande dessinée sadomaso et qu'il dessine lui-même des femmes dans ce genre de tenue. Certaines d'entre elles ressemblent particulièrement à Imgard. C'est un peu tout normal puisqu'il la fréquente. Mais ça ne donnera rien, il a un alibi en béton, comme on dit. En revanche, le 30e, ils n'arriveront jamais à le joindre et à le retrouver. Ce mystérieux individu se nomme Élie Loringe. Le nom, lorsqu'ils vont le vérifier, n'existe pas. Personne ne porte ce patronyme. Donc elle a fait des annotations, elle l'a rencontré, je vais dire, quelques semaines avant les faits. Et elle lui donne une appréciation qui n'est pas très flatteuse. Elle dit que c'était pas terrible. Voilà, bon, elle semble ne pas avoir aimé. Quant à l'adresse indiquée, c'était rue Rubens, à Paris 13e. Et lorsque les policiers vont faire des vérifications, ils vont se rendre compte que c'est un squat à ce moment-là. Mais auparavant, c'était un local qui appartenait aux locaux de la préfecture de police et c'était l'endroit où les policiers et gendarmes se rendaient pour effectuer des photos d'identité pour leur carte professionnelle.
En 1996, grâce au progrès de la science, les enquêteurs ont désormais la certitude que l'auteur de ce double meurtre a également tué et violé des fillettes. L'homme dévoile alors un nouveau visage et un nouveau mode opératoire. Une découverte majeure pour le père de Cécile, la première victime connue du grêlé. Le simple fait qu'on constate ces deux assassinats d'adultes, vous avouerez qu'on n'est plus dans le cas d'un assassin d'enfant. Donc ça change tout dans le dossier. Le profil ADN est le même, mais le profil du meurtrier est différent. C'est-à-dire qu'on est parti d'un prédateur sexuel s'intéressant aux mineurs, aux filles mineures, et là, on arrive sur un prédateur tout court qui est capable de tuer des majeurs ou des mineurs avec une mise en scène différente, une fois dans un sous-sol, une fois dans un appartement. Il y a une chose qui interpelle, c'est le mobile de ces affaires. Parce que autant c'est sexuel, pédophile, pédocriminel pour toutes les autres affaires, autant pour nous, on tombe sur un meurtre alors qu'on a cru passionnel. Un mobile passionnel. Le seul lien qu'on puisse retrouver avec les autres affaires, c'est la perversité. C'est l'usage des liens, c'est l'usage du couteau. Mais dans le mobile, on est complètement... on est largué, quoi. Le profil du suspect est complexe. Il attaque à des horaires, effectivement, ou à laquelle les gens, habituellement, ont une activité professionnelle. Il prend des risques insensés et on pense que tôt ou tard, il va se faire prendre et qu'il aura au moins une petite condamnation. Donc, on va pouvoir identifier ses empreintes digitales ou son ADN. Non, jamais. Donc là, ça laisse penser quand même qu'il y a un mystère. Et il va créer à une époque une véritable psychose dans Paris. Pendant que les hommes du 36 poursuivent leur traque du grêlé, d'autres, comme le détective Roger-Marc Moreau, creuse la piste d'Élie Loringe, le 30e nom dans le carnet de la jeune fille au père tué. Ses recherches vont le conduire jusqu'aux agressions de deux collégiennes en 1987. Des petites filles qui avaient été interpellé par un homme qui se prétendait comme policier, qui correspondait tout à fait au physique décrit de cet homme. L'homme au visage grêlé, grand, il sort une carte de police, il trouve un prétexte pour les interpeller, pour les menacer un petit peu, et puis pour rentrer chez elles. Et elles étaient deux petites filles, l'une et l'autre vont être abordées de la même manière dans le même quartier. L'homme les aurait ensuite agressées. Et alors qu'elles pensaient en avoir fini avec lui, les jeunes filles vont toutes les deux recevoir une lettre. Et ces victimes donc auraient retrouvé ensuite dans leur boîte aux lettres des messages, des lettres d'amour, des déclarations d'amour de cet homme-là. Des lettres qui font état, c'est ce qu'on appelle c'est la piste littéraire. En fait, il ne fait que se documenter et recopier des poèmes de Musset, de Diderot, en changeant parfois quelques mots. C'est très perturbant de découvrir des lettres d'amour avec des filles de 11 ans. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il va faire état, notamment, de son amour pour une œuvre particulière, qui est Oblomov. Oblomov de Gontcharov. Cet homme, très lettré, va demander aux filles, aux jeunes collégiennes, de répondre à ces lettres par l'intermédiaire d'une librairie. Il demande aux petites filles, par exemple, de se rendre à la librairie, mais toutes de blanc vêtues, de pureté, pour aller descendre, apporter la réponse à ces lettres d'amour. Et on voit bien que c'est une véritable obsession pour lui. Et pour Roger-Marc Moreau, ce roman de Gontcharov serait le lien qui mène au grêlé. Et si on approfondit un petit peu, on se rend compte que le héros Oblomov, son prénom c'est Élie.
comme le prénom qu'il a donné, peut-être, si c'est lui, qu'il a donné à Ingmar, sa victime. Et puis, deuxième chose, il y a le nom de famille, Loringe, que personne ne parvient à comprendre. Lorsque l'on fait des recherches sur Gontcharov, on s'aperçoit qu'il utilisait plusieurs signatures. Et l'une de ces signatures, en cyrillique, se lirait avec l'alphabet latin « Loringe ». Loringe, c'est très proche de Loringe. D'autant que cette jeune fille qui a noté dans son carnet intime le nom que lui a donné cet homme était d'origine allemande. Peut-être a-t-elle pu écrire Loringe à la place de Loringe. Mal comprendre comment ça s'orthographiait. Et par conséquent, on peut imaginer qu'il y a bel et bien une relation entre l'homme au visage grêlé et ces lettres qu'ont reçues ces petites filles. Mais c'est vraiment très tiré par les cheveux et c'est vraiment un indice très ténu qui peut être contesté et qui est une interprétation libre. Les enquêteurs, bien évidemment, connaissent cette piste qu'ils n'ont pas exploitée. Ni le détective, ni les hommes du 36 ne parviennent à identifier le grêlé. L'enquête s'enlise et il faut attendre 2012 pour qu'elle avance enfin. Au cours de cette année, la famille de Karine, une jeune femme de 20 ans disparue en 1994, se rapproche de Maître Seban. Il nous contacte parce que nous avons la réputation avec Corinne Herman de nous occuper particulièrement des dossiers non résolus, des dossiers anciens, de ce qu'on appelle les cold cases. Et donc c'est comme ça que la famille prend contact avec nous, parce qu'elle a le sentiment que l'enquête piétine et qu'elle risque d'être abandonnée et que peut-être un criminel en série qu'on aurait croisé dans d'autres affaires ou pourrait être mis en cause. Sa famille raconte alors ce qui est arrivé à cette jeune fille à l'été 1994. Karine, c'est une jeune femme de 20 ans qui est scolarisée, qui aime la vie, aime le sport, est sportive et est une jeune femme de son âge, donc qui vit à Meaux. On ne connaît pas de problèmes particuliers ou de difficultés particulières. Et puis, sur le chemin de son établissement scolaire, elle va un jour disparaître. La dernière personne à avoir croisé Karine est le buraliste, chez qui elle a acheté un paquet de cigarettes. Et depuis, plus aucune trace de la jeune femme. Cette disparition fait beaucoup de bruit. Des affichettes ont été placardées dans toute la ville. Et la famille est très inquiète et recherche activement Karine. C'est donc un grand retentissement à Meaux. On n'a aucun témoin, aucun élément qui permette de comprendre pourquoi elle ne rentre pas ce jour-là. Et donc, sa famille s'inquiète, elle avertit immédiatement les services de police, on la recherche avec d'autant plus de détermination que les jours passent. On va faire une enquête de proximité dans la cité où elle habite. Et tout cela ne donne rien jusqu'au jour où on va découvrir son corps à quelques kilomètres du lieu de disparition, à l'orée d'un bois. Elle a été garrottée, attachée et étranglée. Pour la mère de la victime, ce crime est aussi violent qu'incompréhensible. Moi, je vois pas Karine monter, ou alors si elle a monté en voiture, c'est qu'elle connaissait la personne. Mais sinon, comme ça, non.
Elle faisait le trajet toujours avec une amie. Puis elle n'aurait pas été à Montsolémo à pied, c'est pas possible. Donc on l'a bien embarqué pour pouvoir la mettre là-bas, malheureusement. Mais les enquêteurs ne retrouvent pas l'auteur des faits. Les années passent, l'enquête s'enlise et la famille craint que l'affaire soit définitivement close. C'est pour cela qu'elle va faire appel à l'avocat Didier Seban. Le travail qu'on fait dès le départ, c'est de regarder un peu en comparaison criminelle. Est-ce que ce dossier peut être comparé à d'autres affaires? Qu'est-ce qu'il caractérise? On va même demander à un enquêteur spécialisé dans ces affaires de reprendre l'ensemble des éléments et de dire quelles sont les pistes qui n'ont pas été poursuivies. L'enquêteur va utiliser un logiciel, le SALVAC, permettant de faire le lien entre différentes affaires. C'est une espèce de gigantesque base de données qui est capable de faire des rapprochements sur la base de signalements, enfin d'éléments d'enquête qu'on met dans une base sur des enquêtes qui, a priori, n'ont pas de lien. Mais le système va trouver des rapprochements sur la base d'une voiture, d'une couleur de voiture, du type de voiture. Le dossier est complexe puisque on n'a pas véritablement d'indications qui permettent de mettre en rapprochement, à travers du SALVAC, ce dossier avec d'autres. Ce qui va évidemment frapper les enquêteurs comme nous, c'est la forme des liens et la manière d'avoir ligoté les mains de Karine qui ressemble point pour point, si j'ose dire, à ce qu'on sait d'autres victimes du grêlé. On est dans la période d'action du grêlé, qu'on sait que peu de temps avant, il a commis un enlèvement et un viol d'une jeune fille en Seine-et-Marne. Malgré ces similitudes troublantes avec le mode opératoire du tueur en série, cette piste est difficilement exploitable. En effet, il manque un élément crucial, l'ADN. On est dans un dossier, malheureusement, où cet élément de police scientifique n'a pas pu être établi. On ne désespère pas, on insiste auprès du juge pour que le dossier soit repris, pour qu'il soit rapproché avec celui des grêlés qui nous semble très important. Il y a des rapprochements qui sont tout à fait sérieux, même s'ils ne sont pas suffisants pour que le juge de Paris demande au juge de Meaux de lui transmettre le dossier. Le dossier de Karine reste au tribunal de Meaux, mais on sait qu'il est parfaitement intégré à l'enquête sur le grêlé. Donc ça reste un mystère. Est-ce que le meurtrier de Karine est le grêlé? On ne sait pas. Il faudra attendre encore des années pour que l'affaire reprenne avec un nouveau juge d'instruction. En 2014, presque 30 ans après les premiers crimes du grêlé, l'affaire reste une énigme pour les enquêteurs. Mais l'arrivée d'une nouvelle juge d'instruction va totalement la relancer. C'est quelqu'un qui a envie de reprendre les dossiers vraiment. C'est un œil neuf avec une volonté et une capacité de travail qui ne cherche qu'à s'exprimer. Elle reprend les choses en l'état, qui sont au point mort. Et elle va essayer de pousser les investigations. Et notamment la piste selon laquelle le grêlé serait un gendarme ou un policier. Car si l'homme a très bien pu se munir d'une fausse carte tricolore pour approcher ses victimes, certains éléments de l'enquête posent question.
L'avant-dernière victime a été retrouvée dans une ferme isolée, très loin du lieu où elle a été enlevée, à 100 km de distance. On s'imagine que celui qui l'a emmenée là connaissait cette ferme, connaissait ce lieu. On vérifie que là, il y a un camp d'entraînement de la gendarmerie tout proche. Et on se dit qu'il était peut-être un des gendarmes qui avait pu fréquenter ce centre d'entraînement. Et tout ça renforce encore l'idée qu'on est peut-être sur un personnel des forces de l'ordre. La juge, ayant identifié des éléments qui l'orientent vraiment sur la recherche d'un membre des forces de police, en mars 2021, elle lance cette grande opération. Elle va décider de retrouver l'intégralité des gens qui étaient en poste dans la police et dans la gendarmerie dans les années où les crimes étaient commis sur la région parisienne et dans la tranche d'âge qui correspondait évidemment. Par conséquent, elle va en sortir une liste de près de 800, plus de 700 noms. Après, ça va très vite. Hein. Effectivement, courant septembre, toutes ces personnes qui ont été recensées, qui appartiennent aux forces de l'ordre, vont recevoir un coup de fil. Et on va leur dire, il faut que vous vous présentiez, on va faire un prélèvement ADN. Et le 29 septembre 2021, l'affaire du Grêlé va prendre un tournant inattendu lorsque les gendarmes du Gros du Roi découvrent une lettre posthume. L'homme qui vient de se suicider s'appelle François Vérove. Il a 59 ans et a été, durant sa carrière, policier ainsi que gendarme. En fait, dans cette lettre qu'ils vont trouver, il y a simplement une sorte de mea culpa d'un certain nombre d'abominations et de crimes que François Vérove dit avoir commis sans autre précision. Il ne dit pas quels crimes, quand il les a commis. On saura simplement que ce qu'il reconnaît avoir commis, il l'a commis jusqu'en 1997. Et que depuis, il avouera avoir été calmé de ses pulsions absolument terribles, criminelles, qu'il avait amené à perpétrer justement ces odieux crimes. Le 29 septembre 2021, la brigade criminelle est prévenue que François Vérove a fait l'objet d'une recherche par sa famille et vient d'être découvert suicidé. Bon, là, ça met plus que la puce à l'oreille. 24 heures après la découverte du corps, l'ADN de François Vérove match avec celui du Grêlé, le tueur en série recherché depuis 35 ans. Je suis l'un des premiers prévenus parce que j'ai un journaliste qui était convoqué régulièrement pour suivre l'affaire de très près à la brigade criminelle qui immédiatement m'appelle. Et donc c'est moi qui vais révéler un petit peu cette information. Sur Twitter, je vais indiquer non seulement qu'il a été trouvé, mais je vais également révéler son nom. C'est un véritable traumatisme, un tremblement de terre. Cet individu qu'on cherche dans plusieurs dossiers de meurtre, et de meurtre d'une rare violence, depuis 35 ans, on se rend compte qu'on le trouve par hasard, qu'il se dénonce lui-même et qu'on est passé à deux doigts de ne jamais savoir que c'était lui s'il n'avait pas laissé cette lettre et de ne jamais résoudre un certain nombre de dossiers. C'est quand même... c'est hallucinant. Cette journée, elle reste pour tous les enquêteurs qui se sont acharnés sur ce dossier, pour la juge d'instruction qui s'est tellement donnée pour la recherche de la vérité dans tous les dossiers qu'elle instruit, c'est vraiment une journée extraordinaire. Immédiatement, le nom et le visage de François Vérove font la une des médias nationaux.
La fin du mystère dans l'affaire dite du Grêlé, le tueur en série inconnu depuis 35 ans, était bien un ancien gendarme. Oui, coupable d'au moins 5 crimes dans les années 80 en région parisienne, dont le viol et le meurtre d'une enfant de 11 ans. À 7h30, avec mon radio réveil au moment du lever, j'écoute pour me réveiller les infos et là j'apprends que François n'est autre que le tueur en série dit le Grêlé. Se dire qu'on a côtoyé quelqu'un qui a tué, qui a violé, qui potentiellement vous a serré la main quelques heures après avoir commis une atrocité, je peux vous garantir que ça m'a fait un choc. J'ai senti une espèce de soulagement parce que c'était une grande frustration en ayant tous ces éléments-là en main, d'avoir jamais pu savoir qui était ce type, quoi. On est heureux pour les familles parce que vous savez, les victimes vivantes nous disent toujours on a peur qu'il revienne. On a le sentiment que tant qu'il n'est pas arrêté, c'est encore possible qu'on le recroise. Et donc, c'est évidemment une satisfaction. C'est aussi une forme de déception, puisque, évidemment, un jugement avec un homme vivant aurait permis de donner des réponses que les familles n'auront pas. – 35 ans après, on découvre que cet homme qu'on pouvait imaginer peut-être disparu ou mort, puisqu'on n'entendait plus parler de lui, est ressurgi. Et on découvre enfin qui est le Grêlé. Et on le découvre dans nos rangs. On découvre qu'on a un monstre dans nos rangs. Et on tombe de très haut. Afin de retracer le parcours du Grêlé, les hommes du 36 auditionnent ses proches. Ils apprennent alors que François Vérove est né en 1962 à Gravelines, dans le Nord. Et qu'il a rejoint la capitale à l'âge de 21 ans pour intégrer la garde républicaine. Six ans plus tard, il change d'institution et intègre la police nationale. Je l'ai côtoyé quasiment quotidiennement de 1995 à 1999. À l'époque, je suis responsable syndical du département des Hauts-de-Seine et lui fait partie de mes délégués. Il est délégué local au sein de sa compagnie, puisque à l'époque, il est policier au sein de l'unité motocycliste de la police nationale de Nanterre. D'une manière générale, François était quelqu'un qui était plutôt effacé. C'était pas un bout en train. C'est pas le genre de collègue qui blaguait toutes les cinq minutes. Enfin voilà, c'était pas quelqu'un de jovial. C'était quelqu'un d'assez effacé, mais toujours présent syndicalement. François Vérove a été muté à Montpellier en 2008. Je l'ai connu donc à cette période-là. J'avais des échanges avec lui où je le considérais d'un côté très agréable, très aimable, mais aussi psychorigide dans certains secteurs. Notamment lorsqu'il était en police secours à Port-Saint-Louis du Rhône, c'est une petite ville, la population le connaissait comme quelqu'un de très dur en matière de contravention, il ne laissait rien passer. Et c'est pas pour autant qu'on peut imaginer que nous avions affaire à un voyou, un délinquant ou un criminel. Moi, quand je l'ai connu, il ne portait pas de barbe, il n'avait pas de signes particuliers sur la peau. C'est-à-dire que si à ce moment-là, on m'avait dit « Tiens, mais François Vérove, c'est le Grêlé », mais putain, ça colle pas. D'autant que le policier, marié et père de deux enfants, semble mener une vie parfaitement rangée. Mais François Vérove ne parlait jamais de sa vie personnelle. C'était pas quelqu'un qui allait vers les autres. Il était présent, il travaillait à nos côtés, mais jamais il se livrait sur sa vie de famille, sur sa femme, ses enfants, sur ce qu'il faisait en dehors du travail. À ma connaissance, il n'en avait pas. À ma connaissance, sa passion était finalement sa carrière. C'était quelqu'un plutôt carriériste. À des époques différentes, ses collègues ont cependant été témoins du mal-être de François Vérove.
notamment dans les années 90. Il y a eu un laps de temps assez important où il a été absent. Et ensuite, il y a une période où il est obligé de quitter son service motocycliste. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a véritablement, dans cette période-là, été en souffrance, tourmenté, instable quelque part, puisque physiquement, on voyait qu'il n'était pas bien, il était blanc de peau, tremblant. Voilà, il y avait tout un tas de choses qui démontraient que ce garçon était presque au point de rupture. Maintenant, je me dis que ce qu'il vivait psychologiquement, qu'il rendait malade, avait un lien forcément avec ce qu'il avait fait. À cette dépression chronique va s'ajouter un grave accident de moto en 2011. Il est blessé sérieusement, il est handicapé, c'est difficile. Donc il part à la retraite et à ce moment-là, je ne l'ai plus au téléphone, c'est lui qui refuse, enfin refuse en tout cas, il ne me téléphone plus. En 2014, François Vérove demande sa retraite anticipée et part s'installer à Prades-le-Lez avec sa femme et ses enfants. Il endosse alors, dans le village occitan, le costume de conseiller municipal. Aujourd'hui, dans ce village, le maire et les habitants sont sous le choc. Il a siégé au comité communal d'action sociale. Il a participé aux discussions pour savoir si on aidait les gens, comment les aider ou des choses comme ça. Quoi. C'est déstabilisant. Ça nous a complètement liquéfiés. Jamais on se serait imaginé une chose pareille. Je plains surtout sa femme et ses enfants. Elle ne devait pas être au courant, c'est pas possible. Il semblait joyeux, heureux. Après avoir berné son entourage et échappé à la justice pendant plusieurs décennies, le grêlé est finalement rattrapé par ses crimes. Le 29 septembre 2021, il est appelé par la police judiciaire pour un prélèvement ADN. Mais lorsqu'il raccroche, qu'est-ce qu'il fait ? Il quitte sa maison, il va à sa banque, il retire tout son argent. Ce qui laisse penser qu'il avait déjà prévu peut-être une cavale. Bon. Et après, il va aller s'enfermer dans un appartement qu'il avait loué, qui était un appartement secondaire. Immédiatement, il va s'enfermer là-bas. Il prend cette décision de se donner la mort, de se retirer. Il avale des barbituriques, il avale de l'alcool. Il doit savoir les doser, sans doute. En tout cas, le dosage devait être bon parce que ça a fonctionné. Je pense qu'il y a cette volonté de ne pas se plier à la loi des autres et de décider lui-même de son destin. Aujourd'hui, ce que je retiens, c'est qu'on a pu identifier l'auteur de ces crimes. Ce que je regrette, c'est qu'il a préféré partir que parler. C'est encore une lâcheté de plus dans la personnalité de François Vérove. Aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment d'avoir été trahi, mais je me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont passés à côté, qu'on n'a pas su détecter, qu'on n'a pas vu, et qui auraient pu peut-être nous dire qu'il y avait un problème beaucoup plus grave? Maintenant qu'on a identifié la véritable identité de cet homme qu'on surnommait l'homme au visage grêlé, eh bien, on va pouvoir vérifier toutes sortes d'autres pistes. Il y avait des jeunes filles, souvent, qui étaient assassinées, violées, et on ne connaissait pas quel était l'auteur. Aujourd'hui, la brigade criminelle pourra faire des rapprochements. Je pense qu'il serait intéressant, et ça va sans doute être fait, de comparer son ADN à tous les autres dossiers dans lesquels on n'a pas de réponse, et donc qui sont en attente. La mort de François Vérove n'est pas une fin d'enquête en elle-même. Le fait qu'il ait dit
dans sa lettre d'ailleurs à sa femme, qu'il a arrêté de commettre ces actes-là en 97 quand il l'a connue. Déjà, ça nous laisse 3 ans entre 94, sa dernière manifestation où il est reconnu, et 97. Je ne crois pas qu'il ait complètement arrêté. Je ne crois pas que le fait de se marier ou d'avoir des enfants ait fait qu'il ait arrêté ses agressions. Il a simplement pris du plomb dans la tête, il prend beaucoup plus de précautions. Il y en a, il sait qu'il faut mettre des gants, il ne laisse plus de traces ADN. Pour moi, il n'y a pas eu de pause. Vous savez, on a affaire à quelqu'un de pervers. C'est un fou criminel, un pédophile. Lorsqu'on a ce type de pulsion, on ne peut pas se contrôler. C'est une maladie. Le parcours criminel du Grêlé est une véritable énigme et de nombreuses familles de victimes espèrent que son identification permettra de nouveaux recoupements. À l'image des proches de Sophie, une jeune femme de 19 ans, sauvagement tuée en 1991 à Paris. Elle était stagiaire dans une agence immobilière. Un samedi matin, elle faisait visiter un appartement dans le 19e arrondissement à Paris. Et à partir du moment où elle a fait visiter cet appartement, on ne l'a plus revue. Et il faudra attendre le lundi pour que l'employeur s'inquiète de ne pas la voir arriver, alors que c'est quelqu'un de très bien, de toute confiance, qui est toujours ponctuel. Enfin, ouais, c'était vraiment pas normal qu'elle ne vienne pas. Et du coup, on va effectivement aller à l'appartement, on va la découvrir comme ça, et on va découvrir cet homicide. Elle est dénudée, elle est attachée, elle a été étranglée, poignardée et violée. L'auteur est probablement quelqu'un de maniaque, de très organisé, qui n'en est pas à son premier coup, pas à son dernier. Ça me fait immédiatement penser à un tueur en série. Et donc, quand j'ai eu vent de ce portrait robot et que j'ai entendu parler du Grêlé, j'ai immédiatement pensé que ça pouvait être en lien. On a quand même des éléments de similitude troublants par rapport à d'autres dossiers. Il y a des liens. Donc les membres ont été liés, il y a un viol. Il y a une grande violence et manifestement de l'organisation et une ambiance générale qui, avec tous ces éléments, laisse penser qu'on a peut-être une même signature. Ce crime n'est pas le seul à présenter des similitudes avec le mode opératoire du Grêlé. Dans les années 90, un autre dossier où l'on retrouve là aussi une femme morte à son domicile. Il s'agit de Patricia, elle a la vingtaine. Elle rentre chez elle. On ne sait pas comment ni pourquoi. Quelqu'un la suit, elle l'invite à entrer, quelqu'un a frappé. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. En tout cas, elle va être retrouvée violée, tuée, étranglée par le fil du téléphone. Il règne dans l'appartement un grand désordre. On a manifestement affaire à une scène de crime très violente. Potentiellement, le crime de Patricia peut être celui du Grêlé, parce qu'on retrouve beaucoup de points communs. La strangulation, encore une fois, le viol, la séquestration, le garrot. Aujourd'hui, le dossier de Sophie est toujours ouvert. Le dossier de Patricia, hélas, a été fermé. Moi, je me dis que bien sûr, s'il y a prescription, il ne peut pas y avoir de procès. On est d'accord. Mais quelle importance ? Ça ne dispense pas d'avoir la réponse à la question essentielle : est-ce qu'on a retrouvé l'auteur du meurtre de Patricia ou pas ? Les deux mères de ces jeunes femmes qui ont été assassinées n'auront jamais de répit tant qu'elles ne sauront pas. Maître Seban et la famille de Karine, tuée il y a 25 ans, attendent également beaucoup des prochaines investigations. On est dans une impasse, mais on considère toujours que ce type de dossier peut être résolu.
qu'il faut le retravailler, repenser les pistes et repenser ce qui a pu être fait ou pas fait à l'époque. On ne désespère pas, on insiste auprès du juge pour que le dossier soit repris, pour qu'il soit rapproché avec celui des Grélais qui nous semble très important. Pendant 35 ans, l'affaire du Grélais aura tenu en haleine les enquêteurs. Un combat sans relâche qui a permis d'élucider l'un des plus importants cold cases de France. François Vérove, c'est le summum de l'horreur. Mais ça va plus loin encore, à mon sens. Lorsqu'il se suicide et lorsqu'il fait son courrier, j'ai envie de penser qu'il se lave un petit peu les mains en se disant « Écoutez, voilà, je vous confie mon lourd secret, mais je m'en vais. » C'est, en plus d'être un monstre, c'est un lâche. Et on ne peut pas le qualifier autrement. Ce n'est pas possible de l'identifier autrement. L'affaire du Grélais est une affaire hors norme. C'est une affaire qui marque d'abord pour les victimes, parce que ça les a touchés dans leur chair, parce que c'est des petites filles qui ont été assassinées ou violées, parce que c'est des années et des années d'enquête, d'interrogation, de reprise de ces dossiers, de l'analyse de ceci. Et puis, c'est un dossier qui marque parce qu'on se demande comment un homme a pu commettre tant de crimes et passer au travers des radars. 35 ans après, François Vérove, alias le Grélais, n'a donc toujours pas livré tous ses secrets. Thank you.